Violette est toujours là, hein, la cocotte. Violette la poulette. Ah, ça c'est beau aussi, mais ça donc, c'est pro, c'est, ça c'est quoi? C'est toujours les carrières, c'est toujours hobby. Après, dans la gamme hobby, il y a différentes gammes. Hein, donc, on a la gamme pêche, la gamme balade, la gamme plaisance. Ça c'est quoi? C'est pêche. On a ah oui, donc. On a tout, on a les supports cannes. T'as déjà c'est usé de ça? Utilisé ça? Oui, bien sûr. Mais c'est cool? Bah, c'est top. Pas de moteur quoi. Pas de moteur, on peut aller mettre à l'eau partout. Typiquement pour aller sur le Rhône, c'est juste magique parce qu'on peut accéder à des endroits qu'on peut pas aller en bateau. Et oui, c'est donc, vrai. C'est top. Jusqu'à Seyssel là-haut. Des petits lacs, bien sûr, sans problème. Ouais. Donc c'est vraiment bien adapté pour de la pêche et de la navigation douce. Donc c'est top. Et alors là tu as aussi surtout du parking. C'est pas du parking, du hivernage. Alors là, on a du stockage de bateaux. Donc c'est un système de port à sec. Donc l'avantage de ce système-là, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la situation du bâtiment, on est au bord du lac. Et oui. Donc on a le slip de mise à l'eau. Il y en a deux là, tout près. À deux minutes de la mise à l'eau, enfin de la mise à l'eau pour mettre le bateau à l'eau. Et en fait, les gens n'ont pas forcément besoin de faire la route avec leur bateau. Et ça, c'est l'avantage. En 10 minutes, le bateau est mis à l'eau. On répond en fait à une demande qui existe et en fait voilà, on répond à cette demande. Et tu mets à l'eau avant qu'ils arrivent ou pas? On peut proposer justement différents services et on a cette mise en place de mise à l'eau où le client il arrive et le bateau il est à l'eau et c'est top ça. Et ils profitent, ils arrivent. Ils payent un peu plus cher, mais enfin le service se paye. Exactement. Donc mais il y a vraiment voilà, on est vraiment dans un complexe complet pour le nautisme et c'est ce qu'on recherchait et on voulait faire un produit. Tu fais la totale. Qualité. Voilà, on peut s'occuper du bateau de A à Z. Tu fais des formations, on des fait cours. Des formations, mais quand on vend un bateau, on prend le temps avec les gens d'expliquer. Il faut comment servir du bateau et comment naviguer et sur le lac. S'il y a de l'électronique, comment servir de l'électronique. Ben, les gens, on est toujours dans l'accompagnement et dans la pédagogie. C'est ça le but. C'est un peu le même esprit que le centre de pêche où en fait on accompagne toujours les pêcheurs pour faire en sorte qu'ils profitent au mieux de leur loisir. Voilà. Bravo Joachim, parce qu'en allant, on peut le dire, de plus en plus vers la plaisance. Je sais pas comment dire, douce, enfin. Oui, c'est ça, non, mais naviguer sur le lac, tu vois. On a des bateaux. Selva, là, hein. Donc voilà, ça, c'est un bateau Selva type barque. Ah oui. Voilà. Donc vraiment. Les premiers accès, quoi, j'allais dire. Voilà. C'est vraiment en termes, on pêche en termes, avec en ça. En termes de budget, c'est un bateau qui sort à moins de 10 000 euros. Ouais. Équipé. Donc c'est bien. C'est plutôt très propre. C'est vraiment oui, des beaux produits. Là, ensuite, on est sur un bateau. Motorisé à 10 000? Motorisé à 10 000, ouais, bien sûr. Oh, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Là, on est sur un bateau un peu plus pêche, tu vois, avec la moquette, avec ouais, avec et des coffres, toi, tu le sais, hein, en tant que pêcheur. Avec du coffre, avec du vivier. Enfin, voilà. Et un siège central pour pêcher. Il y a les sièges pour pouvoir pêcher. Enfin, voilà, c'est vraiment, voilà, ils sont vraiment très très bien équipés. Ça, c'est la même marque, non? C'est une non Brema. C'est Brema en mode plaisance. Voilà, okay. Avec une petite barre de ski nautique, une échelle de bain, un petit mini pour se protéger du soleil, des coussins. Ah oui, t'as même une cabine. Une petite cabine pour les gens qui veulent ranger un peu du matériel. Puis c'est super light aujourd'hui. C'est top. Ouais, c'est vraiment un bon petit produit. Et là, t'es sur du plus haut de gamme en fait. Là, on est sur du plus haut de gamme. Donc là, on est avec un bateau avec des finitions complètement différentes. Avec on a du. Oui. On a du texte synthétique, enfin c'est vraiment, on a vraiment des beaux produits. Oui, bah, le travail est différent, donc c'est vraiment, là c'est du produit un peu haut de gamme. Quoi, c'est comme les voitures qui ont leur marque haut de gamme. C'est ça. Hein, entre Toyota et Lexus, ou entre, oui, c'est oui, ça. Et, hein. Et en fait, c'est vraiment des bateaux faits pour naviguer dans toutes les conditions. Ils ont une belle finition, c'est des beaux produits. Merci. Voilà. Hein, et le centre de pêche qui est juste là, on l'aperçoit, on rentre plutôt de l'autre côté. On rentre plutôt de l'autre côté. Au niveau du centre de pêche, on a le côté atelier qui permet de faire tout ce qui est révision moteur, installation des sondeurs, des moteurs électriques, faire les révisions, faire les antifoulis. Voilà. On a une aire de lavage agrémentée. Ouais. Voilà, on est vraiment. Et puis toute la pêche. Toute la pêche. Et tout ce qui est pêche au niveau du magasin. Et, voilà, et, centre de pêche sur Internet. Et bien, de toute façon, tu es sur le grand plan touristique qui vient de sortir, du tourdulac.fr. Et le site, c'est centre de pêche. Alors c'est centredepêche.fr. Voilà. Après on a le commercial en .com. Regarde, il y a Violette qui se purge. Voilà. Ouais. Après t'as quoi? .com aussi. Ouais, pour le commercial. Voilà. Merci. C'est dans ton ligne. Merci Joachim. Merci sur ton torse bombé. Oui. Joachim Torres, merci à toi. Ça et marche. Bonne saison. Merci beaucoup. Bonne saison. Merci beaucoup.